ye tata nzambe nkolo yezu eli musantu na kati na musuni na bisu tokamati satani tolati toichie na kati na nzutu na bisu yangwana bisu batu mwindu nde tozali na mindondo ebele batu ebele bayibaki ete mutu na liboso asalamaka azalaki mundele wana tokojungila yango lisusu te mpamba te tosi tolubile yango mbala na mbala mutu mwa liboso ezali yo mutu mwindu yo mutu osalamaka liboso na ntina na mabongo na biso tobebaki kobeba na biso ndenge nkolo yesu ayeya na kati na mokili akufilaka mpona mondele kaka te akufilaka mpe mpona yo me kanti mpona nini biso mpasi na biso ntina mokolo malelo ezali ntina mokolo malelo mutu mwindu azali kaka na mpasi surtout na ntango oyo tozali na yango ezali periode moko totraverse nanu yango te toyibi malamu na la guerre 40-45 pardon 14-18 ezalaka position moko ya ndenge mosusu ezalaka transfert transfert ya likambo moko ebumbandi ntina mokolo malelo na ntina wana nde tookaka pavasi moki mbango ya 1910 alobaka ete na kobuta mambala ya mibale na 1918 ye azali vivant ndenge nini aya kobutama lisusu bapapa bamama makambo ya tata nzambe mazali komplike musuni na mutu ezali ndaku ya nzambe kasi ntango oyo mpona ntina na masumu na biso tobongoli yango ndaku ya satana ya solo ntango mosusu banda mokolo oyo tozwaki batisimu bato bandimaka yango te me ezali réalité soko mutu azwi batisimu soko mutu wana akoki kokufa akomona tata nzambe na ntina nini pamba te likambo moko mosusu ezali te oyo okoki kolongola lisumu na mutu awa na kati na mokili soko batemu te ndenge bakoyamba bato na ntina nini bango bamundele baprofete ya mokili mobimba bango baye na mokoto 87 esikanga na kozalaka bango balubi ete mutu mwindu ozalaki na boloko na yo 4400 ans kasi ntango oyo boloko na yo esili boloko na yo mutu mwindu esili kasi nani akookela yo soko tali ndenge totungi ndako oyo na mbula mitano tokoyibaka yango ntina te me tozali kokende etikali moke tokoyiba ntina mpenza na makambo oyo nzambe abongisi mpona biso kasi biso bato tobongisi na makambo wana nakanisi soko tokokoka nayibi te pamba te tosali nyonso tu totumbuli maboko toleki na likolo na kuluzu tosali retraite sikasika tozali kobundaka na soire meme mpasi ezali na njutu kasi ilfaut tobusana mpo ate toluba musuni na mutu ezali temple mpona nini tokozwaka maladi belele na ntina na lisumu soko lisumu ezalaki te nde tokozwaka na biso maladi te musuni na mutu ndaku ya nzambe sikasika o tobongoli yango ekomi ndaku ya satana yango wana tozali kobunda na basware tolingi koluka likambo moko ya kitoko
sokotokolanda pambate mukiri mozelo kokende nabutu na loti ndoto ndoto moko ya somo yebangi singai tomoni ete solo on dirait to zalaki na ville moko munene e na ville yango mai mola pe zalaki na yango te kasi mai maye mai wana mayaka na vitesse moko kusekana te mwaya kuluka nzila pate okima ezali te mais tomana kini on dirait mire moko munene donc soko muntu abuti na mire wana mbula mai wana makujwa yete kasi na monende kuna na dikolo batu bazala kikuna bazala ki na bakongo bazala ki na bamachete bazala ki na babunduki bazala ki na mbeli sadiri muntu yonso tumpate ubuta kuna bakutala mikanda na yo wana na sende ezali sika batu bazali kokotela eh bien bati batu bazali kokontrole ba papier mena tinda na papier wana nga na yibi yango te bazali kokontrole ba papier eh bien soko papier na yo ezali nokinoki balekisi yo obuti ukumi kuna na dikolo na mire yo mpe okei kokamata masiete ubie okei kokamata bunduki okei kokamata swate eloko nini kaka oyo kokoboma muntu pate abuta na makasi te mais il faut boleka na porte wana eh bien ya solo batu mingi balubi nga na yibi kunage tangu abuti kuna na likolo pateleka bakamateka koloboko bakati ali akwei na mai kukufa na yonso tu wana na tongo nalubi ndoto yango na bobe asika mama batata na ba mama mais nzambe aza koluka na eloko nini na pai na biso ntango oyo ekokaki nde ntango na biso nde tosepela kasi ti lelo tozali kodependre na bato mosusu tozali na likambo moko te mayela matunda kasi mayela na biso mazali eloko pamba lelo oyo tozali na pasi tala na mokili mwa afrike tala kaka esika bato mwindu bazali Et tu m'en montres beaucoup là. Donc là c'est le stellaire à 5 branches, c'est-à-dire on explique que l'étoile à 5 branches là, hein? Donc papa qui se loquelait, le père, papa de Lungana, le Christ Jésus, 16 août, le musée reprise, tu vois, en Christ vient le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et hop, et le Saint-Esprit donc, du deuxième fois incarné, qui a enseigné le grand Longhi, et donc par qui celui qui a révélé toutes choses cachées et par l'entremise celui qui a donné le relais on voit là qui avait entendu ce qu'elle a entendu de la même manière si la femme, première femme avait fauté que le mal est entré en entendant Lucifer parce que le ma c'est prend ma prend mais le wa quand tu fais le revers de M ça devient W le wa. Donc, elle a entendu et finalement elle a accepté. Le mal est rentré. Mais elle qui a ouanga cette fois-ci, en entendant, elle a corrigé. Et c'est son mari qui dit va sonner la cloche. Matinale du 6 avril 2021. Donc, qui a ouanga. Son nom de la félicité divine, c'est qui a ouanga, waka widingi. C'est qu'elle a entendu, malgré qu'elle ne voyait pas le Christ Jésus avec Papa Simon Guimond en train de converser, mais elle a entendu. Donc, elle a corrigé l'erreur de la femme première qui est notre ancêtre, Maman F. Voilà. Et donc, c'est quand tu prends Kisolokele, 10 lettres. Dialungana, 10 lettres. Diangenda, 10 lettres. Et quand tu prends leurs parents, Tatagimbango, 8 lettres. Kiawanga, 8 lettres. 8 plus 8, ça fait 16. Ça fait chiffre 7. Et ça fait 37 000 familles. L'homme, 37 000 familles. C'est lui, papa, c'est moi, il manque.
C'est pourquoi aujourd'hui, on met les bananes en collé, tout de suite après la leçon de passement du banc. Ce sont ceux qui l'ont accompagné de l'action 121. Il est venu mettre en sur le piédestral. À l'époque, on les ignorait un petit peu, les bananes en collé, mais là, comme vous avez travaillé ensemble, vous continuez à travailler avec eux. Le 16 août. Pourquoi 16 août? Parce que c'est le jour de la remisée et reprise. Comme par hasard, c'est la date aussi pour laquelle l'église Kimongis, la collaboration pour Dengen avait provoqué dans le cadre de Koweï. L'église Kimongis fut reconnue au congrès de Canterbury, au Grande-Bretagne, c'était le 16 août. Ah ouais? Voilà. Ah, c'est beau. Moi, j'aime bien cette photo-là. Ouais. Donc, c'est le grand voile, Mpungutu Lendo, l'esprit de vérité. Quand tu vois Kimang ou Kiangani, ça fait chiffre 7 aussi. 8-8, Kiangani 8, Kimangu 8, ça fait 7. L'homme pour 7000 familles. Donc, et puis 37, c'est 3 plus 3. 3 plus 7, ça fait 10, l'unité. Voilà. Bon. Au nom du Père qui, Papa Kiselo Kelelo Kelo, 12 février 1914, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, en pleine Première Guerre mondiale, le 25 mai 1916. Eh bien, finalement, 22 mars 1918, le Saint-Esprit reprend corps. Djengenda Kuntima. Ces trois entités, cette étoile, le Kididi, cette personne, disons, dans un premier temps, parce que c'est quand se matérialise, Papa Simon Kimango Kiangani, ça se passait entre 14 et 18. On est aujourd'hui le 11 novembre de l'an 2015. L'année dernière, en l'an 2014, nous avons célébré le centenaire de Papa Kiselo Kelelo Kelo, le Dieu juge fort. C'est la signification de ses prénoms. Dan Hel, le Dieu qui juge, Dan, Elohim, le Dieu qui juge. Et Char, qui vient du Karl, le fort. Et donc, c'est son soutenir. On est en France, ce département du Congo, c'est comme je l'appelle. Parce que si pendant la Seconde Guerre mondiale, M. de Gaulle, dont nous venons célébrer il y a quelques jours, la date de sa mort, après avoir fui à Londres, il avait une information. Cette information l'avait poussé d'aller au Congo, dite français. Donc, il appelle Brazzaville, mais moi, j'aime pas le terme, ça me dérange. J'appelle ça Mbanza Kimbangu, parce que c'est là que se trouvent ses pieds. Et ben, c'est là-bas qu'il va se mettre debout et bander les macans. Donc, je disais qu'on est en France, le territoire qui a des liens directs avec le fils aîné du kimbanguisme. Donc le Congo, dit Mbanza Kimbangu, anciennement Brazzaville. Aujourd'hui, si je vais à la place de l'étoile, il y a une cérémonie marquant l'armistice de cet événement. Papa Diangenda Kuntima, le siège de toutes les pensées, sa divinité, que moi j'appelle la troisième personnalité en charge du kimbanguisme, en tant que leader. Là, je ouvre une porte, je vais la fermer. Le kimbanguisme, donc, cette civilisation qui a commencé le 6 avril 1921. En Kamba, la Nouvelle Jérusalem, Papa Simon Kimbangu, premier, ici, qu'on appelle généralement les Pouta, c'est-à-dire qu'il avait le pagne, le prisonnier, de 30 ans de prison. Son épouse, l'incarnation de la Vierge Marie, Marie Mouilouki Awanga, je pèse le mot qui Awanga, parce que c'est son appellation qui lui a permis de rendre la félicité divine. Aujourd'hui, la femme a sa place
dans la charge ecclésiale, la charge en tant que leader, la charge en tant que... Parce qu'elle, elle fut la deuxième chef, la deuxième leader du kimbongisme. C'est l'âme du kimbongisme. Parce que quand son mari fut relégué pour aller purger sa peine de 30 ans, pour faire la remise et reprise, parce que celui qui l'a envoyé, le Christ Jésus, était libre pendant 30 ans. Libre de zéro, il n'a pas seulement 12 ans, et puis finalement on n'entend plus parler. Mais à 30 ans, il vient commencer son ministère. Donc il est libre pendant 30 ans, mais lui, pas Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, il s'est enfermé pendant 30 ans, pour simplement faire ce qu'on appelle la remise et reprise. Donc je disais, Mama Kiawanga est la deuxième chef, leader du kimbongisme. Et la troisième, donc, c'est sa divinité, Papa Diengenda Kuntima, le siège de toutes les pensées, qui prendra le relais. Sa mère, donc, qui est donc son mari aussi, parce que Papa Diengenda est l'incarnation de son père. Aujourd'hui, nous avons, depuis le 16 août 2001, lui-même, il est revenu. Sa divinité, Tata Kimbangu, qui a gagné. Nous avons eu cette opportunité de faire ce partage. Mais comme il est de pratique, depuis 1985, sa divinité, Papa Diengenda Kuntima, a jugé utile. Là où ses enfants sont réunis, il est recommandé de nous rappeler comment on est constitué. Comment on est constitué ici-bas sur terre. Ce que j'appelle comment on est constitué, c'est cet acte qui nous régit sur bas, sur terre. Kunsi. Donc on est sur terre. Nsi, donc la terre, Nsi, Toto. Kunsi, donc on est sur terre. La terre que nous sommes est régie par une structure et cette structure-là est réglementée, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et donc, je vais me permettre de le parcourir avec vous, ces 10 commandements-là, ces textes de loi, cette structure humaine qui fait que l'humain soit en harmonie avec son créateur. Parce que le potier, Papa Kisolokele, qui a pris de la boue, qui nous a mis ici par sur terre, l'avait dicté à mon collègue prédécesseur, qu'on appelle tirer de l'eau, Moïse. Donc, dans cette dictée qui lui dispose au mont Horeb, chez nous, ce qu'on appelle la concession humaine. Et c'est d'ailleurs l'acte fondamental de la concession du Congo Mbanza Kimbangu, ce territoire dont on dit que le Congo, il voit Dieto, Ndieto Yakivouila, qui nous est propre et qu'on va s'approprier comme il se doit, d'après la dictée de Mbanza Nsana. 10 septembre 1921. Et donc, dans la dictée du Papa Kisolokele à mon prédécesseur tiré de l'eau, Moïse, donc, il est dit ceci. Il y en a 10. Je vous fais gré, mais moi je vais les citer les 10. En premier, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier. Le deuxième, tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Troisièmement, tu n'en prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Quatrièmement,
Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tel que nous sommes aujourd'hui, on est mercredi. En Kamba, la Nouvelle Jérusalem, c'est le jour du repos qui sera pour nous notre jour consacré exclusivement à Tata Simo Kimbangu Kiangani, sa divinité. Ce jour-là, on n'a pas d'occupation pécuniaire. On n'a pas nos activités personnelles, sinon que les activités qui sont en corrélation directe avec Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Cinquièmement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sixième point, sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Huitième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, donc ton semblable. Et enfin, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain ou qui appartient donc à ton semblable. Prochain, ta femme donc, tu ne convoiteras pas la femme de Troui, donc, qui n'est pas à toi, donc, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Le Christ Jésus, papa Djaloumana, dans le pays de Judée, il dira, eh ben, tu lui aimeras de tout ton cœur et de ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Voilà, je dirais les 12 constitutions humaines que tout un chacun doit avoir pour être en harmonie avec sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani. Vous m'excuserez, je l'ai lu dans la langue de Molière, étant Congo, la langue d'Éden, je vais le dire dans la langue divine. Nyusiku, nyakumi, miomi miavewa kwa yeto wantu kunchantangu, beto bantu kunchantangu mpasivo, tu as dit que 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 tu Yembebe yankakamu ya kumituko. Uwantete. Yanzoro. Kulendi kukivangi la tekiko. Kakifuani. Kia lekwa kina kuzulu. Kina vavantoto. Evo. Mumaza. Evo. Kunzi antoto ko. Yantatu. Kulendi. Ta ngumu ayave uvo tata kisolo ke tata yalunga tedengene kuti uvo tata kimangu kyangani muka tuko mumamba kondolo mfunuko ya savukati lubabu kila lumbu kyanzona moyo mbasilwa kebakyo kyalongo bonso wunu. Tu n'as qu'un soda, mercredi, qui a vu ma maman. M'passivo, loa keba kokia longo, l'oubouka ngolo. Tan, ça vaut 5. Number 5. Zitissa,
sediaku yenguji aku mpasi wakala yezingu kenda munzi yikuvana tata kisulukele lukelo tata delunga na kyangata tata dengenda kuntima yali mpukutu lelo dezo tata kimangu kyangani mwanda wa luti wa felela kesambanu kuvonda niko sambodia kuta bizumba ko kuyangani ko doko kala bonzo buluko konzo jabu bwe bwe yiluka katu kabuna ko kali yina nsalo le bibulu yeto bantu kabuna ko vingila visije ko vuka de ya kawakaka ko kadi kyaku kyaku kengani kengani donc uyangani ko tu vas pas voir ailleurs nana kuyemba ko vukuyibiko bakati mangani ko voix kuteki mbangi ke lufunu mumfine ngani yako ko fute monyage kumi kuzini nandi nzo amfinangani akuko kankento andi ko kakisani kya dikya bakala evu kankento ko kangombe andi ko kampunda andi ko fumu yesu tatelunga na yadivo kuzi koma zola mfumu tata kimbangu kyangani muna lududi kya kya wonzono mutima aku wa wonsono mumwela aku wa wonsono mudiela diaku dia wonsono ye mungolo zaku za wonsono zola mfinangane aku bonsonge ekipeni nyomyo insiku miakumi ezole tubokela kavu concession humaine. Voilà les 12 préceptes qui doivent régir un humain sur terre. Quand vous êtes dans ces 12 dispositions, eh ben, vous devenez l'instrument de l'esprit de vérité, car votre corps devient sa résidence. Les 10 commandements. Ici, notre partage, je disais, par rapport au propos de Baba Dengenda Kuntima, quand il dira dans le temple, vous avez écouté la vidéo, ou bien je vais l'ajouter, il dira, la guerre 14-18, c'était un transfert. Mais transfert de quoi? Transfert de qui? Qu'est-ce qui s'est passé entre la guerre de 14-18? Nous savons le secret de Fatima. Une vierge noire apparue là-bas. Portugal, il dira, ah, une vieille noire, s'il vous plaît, enfin, je veux dire, de pigmentation afro, il dira que non, il s'est passé quelque chose là-bas en Afrique centrale, les documents existent, vous pourrez les avoir, et cette madone, il dira, le Christ est Jésus, c'est magnifique. Pas dialogue. Et il y a un apôtre de Saint-Pierre, un de son nom de Pierre, parce qu'il est, il est issu d'une organisation culturelle bâtie à partir de propos de Jean-Pierre et de Pierre, qu'on appelle catholicos, donc pour tout le monde. Papa Dialongana, le Christ Jésus, il dira ce propos-là, donc le pape Jean-Paul II, Jésus-Christ est né au nord de l'Angola. L'Angola du Nord. Donc, quand vous regardez les dispositions géographiques de l'Angola du Nord, c'est le pays qu'on appelle RD Congo, le royaume divin Congo, RDC, le royaume divin Congo, RDC. Mais moi, je n'aime pas le terme. Qui c'est? J'appelle ça K. K. 14-18.
page 18, je reviens. Papa Damien Aboutim, il dit, la première guerre mondiale, c'était un transfert. Oh, en 1914, papa qui se loquait, Dieu le Père prend corps. Namibou. C'est un cantique que je vous mette ça, vous allez l'écouter. Nakamalibwa, tukumi balena moko, nzambe ya kitaki. Katina mouli mousan, tu y tata kimbam. Papa d'yangenda kuntima, yone nzambe ya solo. Tata pisolo kele, yone nzambe ya solo. Papa d'yalunga na tiangani, yone nzambe ya solo. Binonde potumbaka, Sodoma et Gomorra. Ce cantique-là, vous savez, dans l'institution spirituelle qui guide cette nouvelle civilisation qu'est le kimbanguisme, on a un cas particulier qui est extraordinaire, c'est le secret de l'hymnologie, donc les cantiques. Depuis le 18 mai 1921, cette institution excelle dans ce qu'on appelle les révélations des cachets. Et finalement, on dispose ça aux humains sur terre afin d'être en paix. Et donc, le cantique de ce transfert est clair. 12 février 1914, Papa Kisolo Kele, dans la déclaration que Papa Simon Kimbangu fait dans sa maison, eh bien Dieu le Père s'est matérialisé. 2 ans plus tard, le 25 mai, il cria Noëlle, voilà le Christ Jésus qui prend forme. De sa seconde venue. Parce que à Mazangungu, pendant qu'on le juge, les orgueilleux qui étaient sur place, qui le jugeaient, il dit, mais toi là, tu es qui toi? Il dit, non, moi je suis l'envoyé. Oh, mon nom tout moi. L'envoyé de qui? Le Christ Jésus. Mais ce Christ-là, il a peur là-bas chez nous, en Judée. Toi tu es qui? Non, non, non. Mais finalement, il avait dit qu'il reviendra. Il viendra comment? Et c'est nous, c'est plus certains amènes, disons. Tata Kimbangu Bukakangama Baminde le Bayufu Lavo Ngizulu Yanzole Yamfumu Yisu Weisi Yakadile. Tata Kimbangu, quand il fut arrêté, là je traduis pour vous qui ne comprenez pas l'angle d'Éden, les Occidentaux, les orgueilleux qui étaient sur place lui posaient la question. Mais toi, tu dis que tu es envoyé par le Christ, mais le Christ l'avait dit qu'il reviendra. Il viendra comment? Oh, Yanni, Sika, Moneka, Munakanda. Et il apparaîtra dans une nation. Fumu, Yisu, Sika, Moneka, Munakanda. Oh, le Christ est Jésus. On le verra dans une nation. Une famille donnée. Oh, Yandi, Sikamoneka, Munakan, Kanda, Diandombe. Oh, dans la nation demandeur. Et oui, c'est le terme Ndombe. C'est pas l'explication que vous a donnée, elle est même donnée. Hein? Vous savez, l'évolution des révélations. Là-bas, à un moment donné, on est sur le calvaire Ndombe comme noir, donc négritier, objet de plus de valeur. Ah non, non, non. Depuis le 24 décembre 1992, et bien ce Christ-là a dit non, vous êtes plus les noms, vous êtes plus les noms, le terme nommé n'est plus le terme noir, non, 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 vous êtes plus de valeur, parce que vous êtes humilié devant moi. Moi qui ai fait que vous avez mon sang, vous avez mon nom, et bien ce n'est plus nommé, ça fait de Ndombele. Donc la nation demandeur, les Ndombele, ceux qui demandent, parce que sur terre, vous pouvez parcourir les quatre coins du globe terrestre. Ah ben, s'il y a des nations ou des populations qui sont demandeurs, plus demandeurs que ceux-là, il n'y en a pas. Hein.
Les autres, ce n'est pas leur problème. Hein? Mais nous, on est demandeurs. On demande. Nommé, qui vient du verbe nommé-les. Les demandeurs. Et donc, le Christ Jésus dit, après, pas Simon Kimbangu, parce que pas Simon Kimbangu, c'est la vérité de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, donc le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il dit la vérité du Christ. Parce que cette vérité-là, à travers, vous savez, ce qui s'est passé avec Inès de Loyola, à travers sa confrérie, qu'on appelle les hypocrites, c'est-à-dire les jésuites. Et pour eux, c'était seulement parler de Jésus, c'est suffisant. Le reste, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas Simon Kimbangu, le Christ. Non, non. Moi, je suis Christ, c'est vrai, mais je suis l'onction. Et par l'onction, vérité. Donc, l'esprit de vérité, Papa Kimbangu, il dira cette vérité-là. Et donc, Papa Simon Kimbangu dit Yani, Sikamoneka, Munaka, Kanda, Yanombe. Donc, le peuple demandeur, le peuple prieur, les demandeurs, donc, les bandes. C'est là-bas, Papa Dialungana naîtra le 25 mai. Et donc, le Christ est venu à s'accomplir ce qu'il avait annoncé. Dilungane. Dilungane. Mukande di diandombe. Ah, dilungane. Banka kabeti yufulangi sayanzole isumunza. Bavila kene vodelu. Mukumbu e dialungana. J'étais qui? Si vous étiez là, vous devez m'accompagner. Mais bon, le temps fixé, on en parlera. Ce cantique-là, le Christ est Jésus. Donc la déclaration, je parle bien du transfert. Transfert du Christ. En campant la Nouvelle-Jérusalem, sa divinité, pas Simon Kimbangu, il dit nuit et jour en campant le musée. Le musée Simon Kimbangu, sa divinité, Papa Kimbangu, doit être inauguré le 25 mai. Le 25 mai 2016, ça sera le centenaire depuis que le Christ est revenu sur terre. Et donc, c'est lui le gardien. Parce que Papa Simon Kimbangu, quand il fut arrêté, son fils est né. À l'âge de 7 ans, donc le Melchizedek, le roi de Salem, le justicier, le roi de justice. C'est ça que ça veut dire Melchizedek. Il dira la vérité. 7 ans, il fut emprisonné, relégué. Papa Dialungana, lui, jamais sorti de Kamba. C'est lui en qui nous allons parler de ce transfert-là. Le Christ s'est déplacé. Il a dit que moi, vous m'avez dénié. Je suis venu chez vous ici, mais je suis venu vous apporter l'amour. Et là-bas, vous dites que l'homme d'Italien, don pour don et pour eux. Non, 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 non. Parce que cette notion de loi d'Italien, œil pour œil, don pour don, Papa Simon Kimbangu, Amazansanda, il dira attention, nous, vous avez l'obligation d'aimer vos ennemis, de ne pas le haïr, car haïr ton ennemi serait contraire à l'évangile, donc la bonne nouvelle. Nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis. Parce que l'ennemi, le pauvre, ils sont ignorants. L'ignorance, c'est vrai que c'est un danger. Mais toute créature, Papa les a créées par amour, pas qu'ils soient créés. Revenons donc au 25 mai. Transfert de la deuxième déclaration de Tata Kimbangu dans sa maison familiale. Il dira Dialungana Kiangani Salomon. Voilà, c'est la signification, le pacifique. Parce que le mot Salomon en hébreu veut dire le pacifique. Or le Christ, quand il apparaît en Judée, malgré la jalousie du roi qui était là-bas, il dit, ah mais le Christ est né, mais revenez par moi, vous m'annoncerez la nouvelle pour que je puisse m'en servir. Or il s'avère que cette demande qu'il a fait, c'est dans sa disposition politique. Parce qu'il était le politicien à ce moment-là. La jalousie, vide spirituellement. Ah, rapportez-moi l'information. Mais les mages, suivant l'étoile, non, ne repartez pas sur ce chemin-là parce que lui, il veut zigouiller le Fils de Dieu. Voilà. Donc, je disais, par rapport au transfert du 25 mai,
Papa Dialongana Tiangani. Salomon, le Pacifique. Il reste en Kamba, il ne bouge pas. Entre 1921 et 2001, ça faisait combien d'années? 1921, 2001, ça faisait combien d'années?